Bien, voilà les posters de l'échange avec Madagascar. On les a envoyés chez l'imprimeur et on les aura bientôt. Ouais, classe! Ouais, c'est stylé! Excellent, ils seront contents, nos amis malgaches. Et c'est quand qu'on leur donne? À la fin de l'année. Et nous, on les mettra où? Sur le site du collège d'abord, non? Est-ce qu'on pourra les mettre en vrai sur les murs du collège? Bah oui, il faut que tous les copains les voient et sachent que l'on travaille avec Madagascar. Regardez, tous nos oiseaux y sont. La cigogne et le merle noir. Et à Madagascar, le papango, l'itikitika et le vintiranu. Chez nous, ça donnerait le milan noir, le faucon de Newton et le martin pêcheur. Il faudrait mettre ces affiches partout pour que tout le monde les voit et que tout le monde respecte les oiseaux, ici et à Madagascar. En 2010, l'atelier Cucuy est entré en contact avec le centre d'enfants Zazakeli à Madagascar. Ce centre a été créé par une ONG alsacienne, c'est pourquoi ils l'ont appelé le nid de cigogne. Par courrier, on leur a présenté notre projet sur la protection des oiseaux et ils ont adoré. Ils ont été vraiment surpris qu'en Alsace, on nourrit ces oiseaux en hiver. On leur a offert un nichoir, mais leurs oiseaux n'y vont pas, ils ne sont pas habitués. Et eux, ils nous ont fait apporter des petites sculptures d'oiseaux pour décorer les mangeoires du collège. C'est beau. Ensuite, ils ont parlé de notre projet Cui-Cui dans leur école et plein de leurs copains ont voulu aussi en faire partie. Ils ont fait venir un chercheur ethnologue de l'université de Tananarive dans leur commune qui leur a expliqué qu'il fallait aussi protéger les oiseaux à Madagascar. Il paraît que les enfants les tuent avec des frondes. C'est une bonne idée de faire un poster des oiseaux de Madagascar et un autre de la base Zorn. À Madagascar, ils ont fait peindre le poster sur un mur de leur mairie pour que tous les enfants se rendent compte que les oiseaux sont précieux. Nous et les enfants de Madagascar avons tous fait du bon travail. Main dans la main, ou aile dans l'aile, le collège Baldwin Green de Hearth et le nid de cigogne, on protège la biodiversité comme l'agenda 21 nous l'enseigne. Vous croyez qu'on pourrait aller à Madagascar l'année prochaine ?